Un grand piano à queue était ouvert sur une estrade. On se pressait autour. On ambitionnait les places les plus voisines. À l'avance, on prêtait l'oreille. On se recueillait. On se disait qu'il ne fallait pas perdre un accord, une note, une intention, une pensée de celui qui allait venir s'asseoir. Et l'on avait raison d'être ainsi avide, attentif, religieusement ému. Car celui que l'on attendait, que l'on voulait voir, entendre, admirer, applaudir, ce n'était pas seulement un virtuose habile, un pianiste expert dans l'art de faire des notes. Ce n'était pas seulement un artiste de grand renom. C'était tout cela. Et plus que tout cela, c'était Chopin. Cette mazurka, il l'a écrite à Majorque. On sent bien le côté espagnol, parce qu'il a eu l'occasion d'entendre le folklore espagnol dans cette main gauche arpégée, comme ça, un peu comme la guitare. Ça me rappelle ce que Chopin a raconté quand il était dans le cloître, que tout à coup, ils ont vu arriver une procession, une fête, comme ça. C'est un petit peu ça, cette mazurka. Elle commence très, très sombre, un peu lugubre. Et tout à coup, c'est la fête, on entend les... Et comme toujours chez lui, cette partie merveilleuse du tsal polonais, dans cette partie dansante vraiment mazurka qui arrive au milieu. L'appel au folklore, dans la musique, ça avait existé aussi au XVIIIe siècle, mais jamais les musiciens n'avaient vraiment réussi à faire passer la musique populaire dans leur art. Tandis que Chopin a grandi dans une atmosphère où véritablement, à Zelazowa-Wola, dans les villages, le soir, il y avait les violoneux qui venaient, les fenêtres étaient ouvertes, lui jouait du piano, il entendait des chants polonais, il voyait les gens danser, et ces danses et ces chants sont devenus, en quelque sorte, son rattachement, son lien avec la Pologne, une espèce de lien mystique. Mais alors, il a totalement transcendé l'apport et folklorique,
historiquement, c'est d'une importance considérable parce que toute la musique après lui, cette recherche a été constante. Et on le voit par exemple dans la première ballade, n'est-ce pas, où alors tout d'un coup, en l'espace de quelques mesures, on est plongé dans un univers.